Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le dernier paraître fenêtre culturelle pour semaine ça. Mais grand titre, n'a pas pour nous développer pour Aswea. Quatrième édition, foire traditionnelle filet le monté, a déroulé dans la ville Gonaïve, dans la date samedi 30 mars 2019. Là, c'est une journée récréative qui visait valoriser les chouettes traditionnelles. Nous avons plusieurs centaines de jeunes qui sont de tous côtés dans le pays, invités dans l'activité culturelle. Si là. La politique étrangère de René Préval, 1996-2001-2006-2011, c'est titre nouveau ouvrage écrivain Jean-Guy Marie-Louis, signé jeudi 28 mars 2019 là, dans l'hôtel El Rancho. Hôtel a expliqué dans l'ISA différents aspects qui gagnent pour démontrer faiblesse à force politique étrangère René Garcia Préval te qu'on appliqué. C'est ensemble petit saillot n'a gain pour développer pour Aswea pas déplacer n'a tourner tout de suite. Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer NAD, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. NAD, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec NAD, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du curl plus NAD, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. NAD fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme NAD, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. NAD, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits NAD sont disponibles partout en Haïti. Je fais de la musique depuis 47 ans. Je fais toujours avec souci pour m'offrir ce qui est plus bon. Depuis tout le temps, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec Frémio. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne parlons pas. Et puis tout, chaque note que je compose, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respectez les droits comme artiste pour nous continuer à nous tout ça moins gagné en dedans pour nous. Premier sujet, nous pour vous, amis téléspectateurs, sous télévision nationale d'Haïti, écrivain Jean-Guy Marie-Louis, signé jeudi 28 mars là, dans l'hôtel El Rancho, dixième livre qui titrait La politique étrangère de René Préval, 1996-2001-2006-2011. Dans l'ouvrage, ça, professeur Jean-Guy Marie-Louis expliquait différents aspects qui montraient faiblesse à force politique étrangère président René Préval te qu'on appliquait. Ensuite, un extrait Gabi Victor avec Denis Jasmin. Nous-mêmes, au niveau du ministère des Affaires étrangères, on est en train d'analyser certaines périodes de notre diplomatie. Et c'est ce que nous avons trouvé assez intéressant pour nous analyser une période qui est plus proche de nous. Et ces périodes couvertes par le mandat de. Et du président Préval. Donc c'est ainsi que nous faisons livre ça sur les deux mandats du président Préval. Et nous essayons d'analyser la politique étrangère pendant 10 ans. Nous avons divisé la politique étrangère du président Préval en deux parties. La politique étrangère en premier mandat, que nous trouvons son bas extraordinaire, et la politique étrangère en deuxième mandat. Le premier mandat est un franc succès pour raison des heureux. On va pouvoir une ouverture qui fait sur la Havane, une ouverture qui fait sur l'Afrique, sur l'Union européenne. On va pouvoir l'intégration d'Haïti à la CARICOM, c'est avec Préval les fêtes. Et parce qu'avant, Haïti était complètement isolé dans le Caraïbe. Les gains d'intégration aussi au niveau de l'AEC, qui est l'association des États de la Caraïbe. Donc deux types d'intégration, ça a eu. Et plus tout, il y a une intégration beaucoup plus poussée au niveau de la francophonie, le fait que Haïti n'est pas isolé, j'en ai isolé avant. Deuxièmement, c'est que. Et le président a abordé le mandat avec une pile de difficultés. 2006, 2008, vous venez gagner un prix, une cotation prix pour du agricole, vous venez gagner de la faim, vous venez gagner 3 cyclones, etc. Mais ce n'est pas ça. Tout le monde a posé problème, c'était la fin du mandat.
beaucoup plus. Le président va rien pour faire choix d'où fin. Et avec un ensemble de problèmes qui devine gagner, et puis le 12 janvier, pas oublier, il vient créer un problème dans le pays. C'est ça qui va le bail président un problème. Côté que non seulement il y a toute crise, on a dit crise financière 2009, au moins de monter des produits agricoles, particulièrement du riz, qui va conduire à la fin. Maintenant, il y a 12 janvier en tout. Donc ça vient mettre dans une situation côté qu'il était difficile, dans un moment très complexe de la vie nationale, qu'on nous dévelait à l'occasion du premier anniversaire ou du deuxième anniversaire de César, et bien publié un livre, pas en sa mémoire, pas en fait à sa gloire, mais un livre quand même qui racontait tout ça qui est important, la diplomatie haïtienne pendant la période pas là. Ville Gonaïve a préparé pour accueillir 4e édition Filet le Monté samedi 30 mars 2019 là. C'est une activité culturelle qui est réalisée grâce à l'organisation Plaisiboule et Sport Compagnie Digicel. C'est pour une journée récréative pour valoriser jouet traditionnel nous yo. Pour chaque édition, jeunes compte sorti dans tout coin pays pour participer. Une façon pour yo sensibiliser reste population sous nécessité pour conserver coutume et tradition. Parmi activités cap gagné, nous capables citer jouet, saute corde, marel, domino. Association La Coucajou nan tête collée ak Innovit lancé une série vidéo éducative qui réalisé dans langue créole en format ti comique pour sensibiliser ti moun sou nécessité literati ak l'autre matière nan kisis eskoulè yo. Pour continuer ak initiative sa, responsable yo gen partenariat ak Sans l'école déjà. Série vidéo sa yo accessible ak tout moun, yo déjà disponible sur YouTube. Plus explication nan micro Joanne Jacquet ak Max Joseph. C'est une série vidéo éducative qui fait premièrement en créole et anti-comique, et c'est un moyen pour encourager Timonio plus à apprendre l'école, surtout même matière qui a pas apprendre déjà, mathématiques, physique, sciences, géographie. Donc dans le programme La Coucajouan, dans la vidéo, nous rencontrons un père Marassa, Silouak Lili, qui était là, il a parlé, il a fait des blagues, et puis dans tout le programme La Coucajouan, il a fait différentes conversations autour de mathématiques, géographie, des bagages pour apprendre Timon, pour faire Timon plus envie d'apprendre. Maintenant, il y a une atmosphère de divertissement, de médias, il y a ces vidéos à regarder, télévision, et puis nous faisons différents messages éducatifs au passé dans le programme La Coucajou. Nous faisons toute production en Haïti. Nous faisons partenariat pour le moment, c'est avec Innoved, qui est sous responsabilité de l'Université Kiskeya, ensemble avec une compagnie étrangère qui est Blue Butterfly Collaborative. Et puis ensemble avec plusieurs chercheurs, éducateurs, professeurs qui en Haïti. Premièrement, le programme est disponible sur YouTube, sur Facebook et sur le site internet nous, qui est lacoucajou.ht. Mais en plus de ça, nous avons un partenariat avec un peu plus que 100 écoles et différentes organisations dans la communauté, dans le pays d'Haïti, qui ont même accès à élèves, à Timoun. Et nous avons tout le programme gratis pour partager avec Timoun. Ambition nous, c'est pour nous avoir plus de chaînes de télévision. Qu'on y a là, nous avons environ 6 ou 7 chaînes de télévision. Nous travaillons pour nous couvrir presque tout le territoire là avec maximum nombre de télévision qui est possible. Et puis nous faisons un programme disponible gratis pour n'importe communauté, n'importe qui organisation, que c'est l'école, qui voulait montrer le programme là à Timon. Nous prenons deuxième pause, non, pas déplacé, nous tournons tout de suite. Hey, pas ta voile. Oh, c'est Joël. Mes amis. Oh, oh, oh. C'est Joël. Où est ça qui vous reconnaît? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, la lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descend, monde campée, bye machine passée. Et pour apprendre à garder la lumière, on va traverser la rue. Où est-ce que ça aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames, ça y est, qui ont l'habitude de marcher dans la rue avec téléphone, castant aux oreilles, chat avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à tout le monde qui est dans l'environnement.
Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes pensées en jour, ak mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti ak Zoom Entertainment. Nous tournons après pause là, toujours sur Télévision Nationale d'Haïti. Famille chantait Tim Bergling a annoncé lancement fondation Tim Bergling dans date 20 avril Cap Vinila, dans pays la Suède, d'yon l'année après la mort du DJ Avicii. Premier objectif initiative ça, c'est rendre hommage à défunt. Famille DJ Avicii décidé mettre fondation ça campé pour aider tout le monde ak association Cap Travail dans le domaine santé mentale et puis supporter campagne prévention contre suicide. N'a pas rappelé chanteur Tim Bergling qui mourit 20 avril 2018 là, était un producteur, musicien et puis auteur musique qui connaît un pile succès dans monde là qui titré Wake Me Up. So wake me up when it's all over. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. 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 Jean ça t'est annoncé depuis quelques jours l'église La Compassion dans tête collée à Fédération Protestante en Haïti tamen yon activité évangélique dans stade Silvio 14 jeudi 28 pour arriver 30 mars 2019 là. Pasteur ivoirien Marcelo Tunazi s'était invité donner activité si là. BGA t'est délivré yon message l'amour ak unité dans occasion. Après événement ça nan Port-au-Prince, initiateur yo annoncé yon lot nan ville Gonaïve ka fête soti 1er pour arriver 3 avril 2019. L'activité ça li rentré dans cadre un ensemble d'évangélisation ka fête à travers le monde. Gayen pasteur Marcelo, c'est un prédicateur mondial et que lui-même personnellement il te recevoir vision pour Haïti. Maintenant il te planifié ça fait plus que un an et demi, la planifier pour qu'il y entre en Haïti. Donc, ce que je voulais rappeler, nous, c'est que bon Dieu a gagné un plan pour Haïti. L'année dernière, en janvier dernier, nous avons gagné des serviteurs que bon Dieu a pris juste en Afrique, Côte d'Ivoire, pour dévoyer en Haïti, dans l'Haïti. Et là maintenant, bon Dieu a pris un pile message de restauration pour nous, pour que le peuple le prenne conscience, pour que vous préparez l'âme, préparez le cœur, parce que bon Dieu a besoin de cœur chrétien. Qui dans le pays ça, il besoin cœur monde qui vivent dans le pays ça. C'est ça fait que le message de pasteur Marcelo, c'est faire monde connaître que Jésus remet yo et yo besoin normalement offrir cœur yo bah bon Dieu. Donc dans cadre activité ça réaliser, c'est surtout pour chercher des âmes pour le Seigneur. C'est là journal Lambeau, amis téléspectateurs. Merci parce que t'as suivi, c'était Aude Cavalco pour présentation. Bye bye tout le monde, bon week-end.